Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est 6h28 et je suis déjà en route pour le lycée. Alors je vous explique pourquoi j'aime pas cette ceinture, putain. En fait, on part en Angleterre avec le lycée et le bus part à 7h15. J'ai une demi-heure de route pour aller au lycée, donc je vous avoue que je suis pas très serein ce matin. Donc je vais vite me mettre en route. J'avais fait un plan où je démarrais la voiture, mais l'appareil photo a planté, donc vous verrez pas le plan, tant pis. C'est pas très grave, vous voyez ma tronche et c'est parti, let's go. La France d'aujourd'hui, je roule à 90. Déjà, j'ai pas le droit parce que je suis en permis probatoire, donc probatoire c'est 80 et pas 90. Et en plus de ça, à 90, il y a encore des gens dans le nord qui trouvent le moyen de te dépasser. Deux voitures en suivant, voilà la course. Bon, par contre, ne filmez pas au volant non plus, c'est pas bien. Hein. Voilà, là je brave l'interdit littéralement. Voilà. Good morning, Vietnam. On appelle ça un départ. Et là, le temps d'arriver à Calais, une heure de douane, une heure et demie de traversée, on est bien, on est content. Je vais mourir, je pense. Non. Oui, c'est lui. Non. Je te dis que non. Oh, non. Bon voilà, en fait le chauffeur me rassure, au moins ils ont de l'argent, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas prendre le péage. Mais finalement on l'a pris. Donc ils ont de l'argent, ça va. Tout va bien. C'est vraiment un truc de cinglé. Hein. Bon, on est arrivé à la douane. Comment vous expliquer que je suis un peu stressé même si j'ai rien à me cacher? C'est bizarre. J'ai peut-être un kilo de shit dans ma poche, hein, on va savoir. Alors par contre, le petit R16Z, là, voilà, c'est pour moi le petit R16Z, d'accord? J'ai eu le meilleur plan. Ah, je me disais que j'avais oublié un truc aussi. C'est quoi? Ma ceinture. Là, tu peux lancer, hein. Yo les amis, salam alaikum les frères. Alors, on se retrouve pour un tuto beauté. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous les frères et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors, c'est Zuki, et préparez vos mères, faites les chauffer. Je vais faire un top 1 sur Fortnite. Ça pollue pas trop, hein. C'est une légère fumée, mais c'est léger quoi. On fait confiance uniquement à ces gens-là, d'accord? Voilà, si on coupe, c'est de leur faute. Alors, je sais pas où ils sont ou pas. Mais ils sont repartis ou pas? Nous ne sommes absolument pas perdus, non, pas du tout, non. Je ne connais absolument pas le bateau, voilà. Donc, GPS zéro. Ah, moi non plus, mais il y a les instructions. On va se retrouver dans le parking. Mais c'est très simple, tu suis les flèches. Il n'y a pas de flèches. Allez, quand il n'y a pas de flèches, tu. Non, il n'y a pas de. Tu cherches pas, il n'y a pas de flèches. C'est dit. Attendez-moi, hein, chien. Quand il n'y a pas de flèches, tu cherches les flèches. Alors, on est. Perdu. Ouais, on est perdu. Sudam, en vrai, y'a rien à montrer, c'est
juste un bateau. Hein. Ah bah on est ici. On est où? Oui, c'est marqué. You are here. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Et alors on va où? Bah j'en sais rien. Bah on je ne sais pas où on va. Et en plus, on a le droit à un concert gratuit. Un pigeon vient de me chier dessus. Non, d'accord. On a le droit à un concert gratuit. Non, mec, t'inquiète pas, t'as rien du tout. On a le droit à un concert gratuit des U2. Comme vous pouvez entendre, c'est de la musique de qualité. Voilà. Je vais voir la scène de l'exercice, quoi, à côté. Hein. Rien. Il y a une petite fille qui est en train de marcher, elle est pâle. Bon, alors, il y a un autre souci, c'est que ma carte bleue a décidé de me rendre l'âme. C'est-à-dire que vous connaissez pas, mais le tenir de la banque qui te prend 10 fois 8 euros de commission sur ta carte bleue alors que t'as rien fait et que t'as rien demandé. Du coup, bah, t'as un découvert formidable de 82 euros et à côté de ça, t'as besoin de manger et d'acheter des trucs. Voilà. Donc à côté de ça, tout va bien. Voilà. Le mec, il veut consulter son solde, il fait « Non, ce service est indisponible pour votre carte. » Bon voilà, alors le mec qui veut essayer de voir son solde de carte bleue sur un distributeur HSBC juste là derrière, et ça ne fonctionne pas. Donc, comment vous expliquer mon état de désolence extrême? Je suis mal, en vrai je suis mal. En vrai, là je suis en état de stress. Parce que quand même, c'est un peu la galère. Bon, du coup, on est dans une ruelle de Canterbury, on se balade parce qu'on a que ça à faire, bien sûr. Pardon, c'est éducatif ce qu'on fait. Oh là là. Et donc, bah voilà, bah écoutez, je sais pas où on va aller, mais bon. Moi perso, j'arrive bien chez Sport Direct, mais ça sert à rien vu que j'ai pas d'argent, donc bon. Allez, on rentre. Bon alors, en termes de prix, c'est juste abusé, c'est-à-dire que je viens de voir des... je viens de voir en fait des Air Max, ici elles sont à 50 livres, quand en France une Air Max vaut 120 euros. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez vite fait. Donc c'est un petit peu, comme qui dirait, dérangeant et très inquiétant. Moi je trouve ça très inquiétant, personnellement, bah, voilà. On m'a appelé, donc je vais y aller. J'ai trouvé mon magasin Deschman. J'ai trouvé mon magasin. C'est génial. Deschman. Tu sais à quoi ça me fait penser? À Jean-Luc Deschman. Wow, putain, ça fait tomber par Jean-Luc Deschman. Bah ouais, Jean-Luc Reichman. Oh là là, ouais. En plus, il est plus Richman, il est Deschman du coup. Oh là 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 là, c'est magnifique. T'inquiète pas, Seb, on te guide. Non. Non. Mais c'est ce que je disais il y a deux minutes. Dans cette rue, tu passes, tu filmes, c'est un placement de produit direct. On va peut-être aller là. Non, je peux pas. Mais je ne sais pas. Tout le monde dit s'il vous plaît. Donc on y va. Donc on n'a pas le droit de filmer dans le magasin, donc je vais encore couper. Et merde.
Oui, on a trouvé ça, c'est quand même assez formidable. Dans le style, il y a aussi Burger King, faut signaler, qui est juste là-bas. Bon, et donc revenons à l'histoire. Stéphane Bern était déjà venu ici. On s'en fout. Comme vous pouvez le voir, c'est Christopher Marlowe, dramatiste, qui a baptisé cette église. Ouais, ouais, c'est... Bon, moi j'aurais préféré des parpaings, ça tient beaucoup mieux hein, en termes de solidité, il n'y a pas mieux en termes de... Voilà, ça tient beaucoup mieux, que je veux dire, c'est normal. Franchement, moi je vous dis, exilez-vous en Angleterre et on verra après. Hein, voilà. Faites les conversions de monnaie en euros et en livres et tout, vous êtes largement gagnant. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai les moyens de m'acheter une voiture. Non, pas du tout. Là, faut pas déconner non plus. Voilà. Une Civic. Wesh. Voilà, c'est tout. Cette personne ne sait pas jouer de la guitare électrique. Merci de lui payer une vraie guitare électrique avec une vraie sono, s'il vous plaît. Merci. C'est l'allée des embrumes dans Harry Potter. Parce que là, c'est... Si t'as envie de choper une otite, y'a pas de problème. C'est... Vraiment, là, c'est gratuit. À la banque, en face de la poste. Je m'en bats les couilles de cette banque de merde. Bon bah voilà, on continue de se balader. Alors ma foi, on est rentré là. Alors je pense que c'est le magasin des Illuminati parce que bah il y a l'œil de l'Illuminati dessus. Là, le magasin s'appelle Zizi. Bon bref, en tout cas j'aime beaucoup le style ici. Oh attends. Je suis hyper amoureux du Zizi. C'est Zizi. C'est un Zizi. Et donc j'aime beaucoup le style ici. Je vous avouerai que j'aime beaucoup le style. C'est ancien. C'est pas, tu vois, c'est pas genre baroque ou quoi. C'est anglais en fait. C'est typiquement anglais et j'aime bien ça. Donc là on est devant une fierté nationale parce que bah il y a quand même le drapeau qui flotte là-bas au loin. Voilà. Non, mais parle pas de vous. Et donc c'est génial quoi. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Et puis là il y a une chapelle. Bon bah écoutez, moi je veux dire, bon il y a la tête à mon pote mais bon ça c'est pas. Et donc là on arrive chez Nando's. Donc on va rentrer chez Nando's, n'est-ce pas? On rentre. Tu fais du teasing. On rentre. On va à la cathédrale. Placement de produit chez Nando's. Vous allez chez Nando's tout de suite. Placement de produit. Tu connais le magasin? Hein? Tu connais Nando's? Ouais. Ouais. Bah, c'est connu Nando's. Non, mais je croyais que c'était pour la vidéo. Non mais je connais. Non mais c'est vrai, je connais. Et ça fait quoi? Et ça fait rien, c'est-à-dire que c'est bon, c'est de la bouffe et c'est bio, c'est pas bon, mais enfin voilà, c'est bon. Ah, si c'est de la bouffe, fallait le dire tout de suite. Voilà. C'est un café bar tabac PMU. Tu te balades en plein milieu d'une ruelle comme ça et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, mais tu t'arrêtes devant une concession Jaguar. Ah non, l'église. Voilà, Jaguar. Tranquille. Il y aurait une concession Citroën ou quoi? Non, Jaguar. Comme ça, c'est anglais, c'est... Moi je suis Michael Jackson. Ouais. Ouais, j'ai acheté un putain de vinyle de Michael Jackson. Parce que juste parce que j'ai un lecteur vinyle chez moi et juste parce que j'avais envie d'écouter du Michael Jackson. Voilà. Il y a aucun rapport. Bref, on va voir une cathédrale et on va acheter des souvenirs. Mais moi, j'ai pas d'argent, donc je m'en bats les couilles. Mais bon, on y va quand même. Voilà. Thank you.
ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne depuis tout à l'heure cherche une casquette à tout prix. Mais vraiment, elle veut une casquette. Elle en veut une. Voilà. Donc bah, il en est une du coup, hein. C'est tout, hein. Fin de l'histoire. Y'a rien. Ça sent les travaux. Je crois que c'est un peu en travaux. Je pensais que c'était gratos. Donc on devait visiter cette cathédrale, mais s'il y a des travaux, c'est un peu bête quoi. Non seulement il y a des travaux, donc c'est payant. C'est payant, mais bah, c'est normal. 10 livres 50 pour y aller. C'est pour payer les travaux. C'est pour payer les travaux, moi je dis. C'est normal que ce soit payant. Bah voilà, c'est cher. Par contre, il y a toujours ton idole qui est là. Elle chante, tu l'entends là. Bon alors en fait les problèmes avec ma banque sont résolus puisque ce que je vais faire c'est que j'ai retiré beaucoup d'argent, beaucoup de livres que je vais échanger sur le bateau, du coup je vais gagner en euros. C'est bien, hein ? Intéressant n'est-ce pas ? Ça c'est mieux ça. Mais bon on est déjà passé tout à l'heure en même temps donc. Bon bah voilà c'est fin de journée, on rentre. Mais on rentre vraiment genre là on s'en va. Donc on est triste forcément. C'est pas si loin bah, t'inquiète pas. Bah on remarche encore. On marche, ça se voit qu'on marche. Ok. Oh, on va se faire découper en morceaux aussi. Bon, si on meurt pas, donc on rentre. Mais bon, là, c'est pas encore. J'ai peur de dire à mes parents que je les ai aimés. C'est pas encore garanti. Donc bon, c'est super sympa. Il y a des coins au bord d'une rivière et tout. C'est merde. Il y a des coins très sympathiques au bord d'une rivière. C'est vraiment super sympa. Alors par contre, je vous cache pas que je suis un petit peu anxieux parce que j'ai passé mon vinyle à une personne qui se trouve derrière parce que je pouvais pas le mettre dans mon sac. J'espère qu'il va pas planter mon vinyle. Sinon, je viens de perdre 20 livres. Donc là, je suis content quand même. Je viens de perdre Michael Jackson. Ouais, je viens de perdre Michael Jackson. C'est un problème, hein. Enfin, une nouvelle fois. Hein. Et voilà. C'était si bien parti, j'ai complètement oublié de faire une outro, de vous dire au revoir ce jour-là. Bah donc je le fais chez moi quasiment une semaine après. Et oui, ça arrive des fois, ça peut arriver. Donc là, c'est le moment où vous avez le droit de vous fendre la poire, c'est gratuit, je vous le donne. Vous avez le droit de rigoler, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule parce que je me suis raté et parce que je vous ai pas dit au revoir dans le vlog. Donc bah du coup, je vais le dire maintenant, c'est là que tout le monde s'arrête. J'ai été super content de retourner dans ce pays parce que c'est pas la première fois que j'y vais, ça fait au moins peut-être la 6ème ou la 7ème fois que j'y vais. Et à chaque fois, j'ai toujours ce sentiment d'insouciance, de liberté. Je vais juste bouger un peu les lumières comme ceci, voilà. Donc vraiment, à chaque fois que je vais en Angleterre, j'ai vraiment cette sensation bizarre que j'ai pas en France, mais une sensation vraiment de liberté. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu filmer dehors, en public, sans que personne me dise rien, quoi. Ça aurait été en France, on m'aurait déjà défiguré maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'il fout ce con ? En Angleterre, pas du tout. Les gens, on a l'impression qu'ils ont l'habitude, en fait. Alors, il y a aussi peut-être le fait qu'on est dans une ville très touristique, hein, c'est Canterbury. On est dans une ville assez touristique, hein, donc les gens sont un peu habitués à voir du monde et des étrangers qui prennent des photos, des vidéos. Mais là, j'ai clairement filmé comme un bazu partout, les monuments, etc. Et les gens ne disent rien. Les gens ne vous regardent pas comme si vous étiez un extraterrestre venu de l'espace.
Donc c'est vraiment hyper agréable. Et puis on va remercier aussi le lycée des Flandres, tiens tant qu'on y est, le lycée des Flandres d'Hazebrouck dans les Hauts-de-France. Si vous connaissez pas, c'est normal, c'est juste un lycée. C'est grâce à eux qu'on a pu partir aussi. Ils ont payé une partie de nos places et nous on a dû payer aussi, on a payé 20€ bus, bateau, tout compris dans le prix. Donc c'est pas cher du tout, ils ont payé une partie. Donc merci au lycée des Flandres d'Hazebrouck dans les Hauts-de-France. Et aussi merci, sans qui on n'aurait jamais eu ces délires là. Merci à mes camarades que je vais citer là tout de suite, je n'ai pas peur de les citer. Sylvain, Harold, Audric et on a Alan. On était vraiment la sale bande des 5 mousquetaires là. On a foutu un bordel. Dans le bus, on parlait très fort, on rigolait très fort aussi. Et en Angleterre, tout le temps qu'on y était, on n'arrêtait pas de bien rigoler. On se faisait des blagues tout le temps et c'était vraiment très 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 sympa. Donc merci à vous 4, sans qui j'aurais peut-être jamais fait ce vlog en fait, parce que j'étais pas très chaud. Et surtout, merci encore une fois au lycée des Flandres, sans qui on n'aurait jamais pu partir. Et bien sûr, merci aux profs d'anglais, Madame Malvache qui se reconnaîtra aussi de toute façon, et toutes les autres profs d'anglais du lycée. Et merci au lycée en général, à tous les profs du lycée en général. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe. Et à très vite, ciao ciao.